Là, ça demande beaucoup de précision. Vous avez vu qu'il ne prend pas la hache au bout du manche. La hache est prise dans le milieu du manche, façon à gagner en précision. Donc la première pocket, c'est une pocket de passage, donc elle est un peu moins importante. Par contre, la seconde, il faut la soigner, parce que là-haut, il va falloir taper. Donc il faut être sûr que ça tienne, de façon à être vraiment en confiance et pouvoir porter des coups de hache assez puissants. Donc là, c'est important de soigner cette pocket. Voilà, c'est passé. Deuxième springboard en place. Et là-haut, il va falloir couper la bille en deux. C'est comme le standing, on commence par un coup en bas et ensuite on tape en 2-2. Donc deux coups en bas, deux coups en haut avec un swing, sauf que là vous êtes sur une planche qui fait à peine 20 cm de large, donc beaucoup moins stable. Il va viser fortement le côté droit. Il faut vider, vider, vider. Une fois que c'est fait, on met des coups puissants en drive, comme le standing, comme l'enduren. Donc les drives sont passés. Il faut terminer à contre-pied, à contre-main. Donc là, du coup, le compétiteur est beaucoup moins stable. De façon à couper l'autre côté, c'est obligatoire. Voilà.